Cette année 2020 a été particulièrement marquée par l'épidémie Covid, sur laquelle tous les professionnels ont été mobilisés pour la prise en charge des patients, quel que soit leur métier. Je tiens particulièrement à remercier l'ensemble de la communauté de Raymond Poincaré pour l'engagement dont elle a fait preuve dans cette période. Pour autant, malgré l'épidémie, nous avons pu mettre en place plusieurs projets majeurs pour l'établissement. Nous avons notamment ouvert en fin d'année les unités périopératoires du handicap, une démarche transversale pluridisciplinaire de prise en charge médico-chirurgicale des personnes handicapées. Nous avons par ailleurs obtenu l'autorisation d'administrer des traitements de thérapie génique pour des pathologies neuromusculaires. L'année 2021 verra l'ouverture de l'unité neurovasculaire, unité de soins intensifs et unité d'hospitalisation classique qui répond aux besoins de l'ouest de l'Île-de-France. Elle sera également l'occasion d'ouvrir une unité de chirurgie ambulatoire de 5 lits correspondant à l'évolution de la prise en charge des patients de chirurgie orthopédique sur le site. Un autre projet nous tient particulièrement à cœur. Il concerne l'activité d'hôpital de jour pour les parasportifs que nous souhaitons organiser dans un cadre dédié. Je souhaite à chacun d'entre vous une année douce et sereine, qu'elle vous permette un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.